Il n'y aura pas d'inauguration officielle de ce monument, au cœur de la polémique depuis des mois en Hongrie. Érigé en hommage aux victimes du fascisme, il représente la Hongrie sous la forme d'un ange attaqué par un aigle, symbolisant l'Allemagne nazie. Pour ses détracteurs, la statue dédouane la Hongrie de son rôle dans l'Holocauste. À cause de la polémique, le monument a été terminé discrètement. En pleine nuit, le week-end dernier. Nous respectons la peine et l'incompréhension de ceux qui sont indignés par ce monument. Donc il n'y aura pas de cérémonie d'inauguration. L'antisémitisme est ici une question sensible. On reproche au Premier ministre Orban de ne pas agir suffisamment contre et d'avoir flirté avec les thèses de l'extrême droite. Mon père a été envoyé en camp de travail dans l'Union soviétique, alors on a souffert de toutes ces choses difficiles. Je pense que ce genre de monument est nécessaire. Cela va augmenter la haine et les divisions entre les gens. Six cent mille juifs hongrois ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale dans une Hongrie très antisémite. Les organisations civiles disent qu'elles vont continuer à protester jusqu'à la fin de la semaine, expliqua-t-il à Maïgar, notre correspondant à Budapest, avant de décider d'autres actions.